Comme l'indique Scalon en 88, et donc bien avant cette crise sanitaire, je trouve que c'est assez intéressant pour que je vous le présente ici. Donc, il écrit l'harmonisation de l'évaluation formative et de l'évaluation sommative suppose au départ que, du point de vue des responsables de la formation, la demande d'évaluation pédagogique soit prépondérante face à la demande sociale d'évaluation. Alors, on peut comprendre de ce qu'il dit ici. En tout cas, on peut se poser la question, tiens, on évalue pour qui? On évalue pourquoi? Il est sûr que si on veut donner toute la place et toute la place qui revient à l'évaluation, parce que l'évaluation formative, parce qu'elle est importante, eh bien, il faut aussi que certains qui mettent sous les épaules des enseignants une certaine pression, se disent, OK, on veut savoir si notre enfant progresse, mais on ne veut pas forcément des points. Et donc, c'est ça ce que Calon écrit à ce moment-là, c'est vraiment de se dire, oui, il y a une pression, une demande sociale assez forte au niveau de l'évaluation. Hein, et là, le contexte actuel vraiment montre à quel point cette question est sensible. Les parents se disent, tiens, mais comment est-ce que je vais comment est-ce que mon enfant va réussir si on ne lui attribue pas de cotes depuis la mi-mars? Donc, on veut des points, on veut des cotes pour montrer à quel point l'apprentissage a pu se faire, à quel point l'élève a pu progresser. Et donc, voilà, c'est une réflexion aussi à avoir, évidemment, à faire comprendre aux parents, et puis peut-être parfois aussi en tant qu'enseignant, se dire, bah oui, il y a cette envie de mettre des notes, mais est-ce que c'est vraiment le plus important? Est-ce que le plus important n'est pas plutôt de montrer la progression et de mettre en évidence les forces et forcément les faiblesses aussi des élèves afin qu'on puisse les aider au maximum à progresser dans leurs apprentissages? Alors, Scalon poursuit en indiquant que ce premier principe étant posé, l'harmonisation des deux fonctions de l'évaluation pédagogique exige que l'on reconnaisse que la demande sociale d'évaluation ne peut être pleinement satisfaite dans le cadre de l'évaluation faite en classe, ce qui n'écarte pas la possibilité de donner à l'évaluation sommative des apprentissages un rôle de valorisation des acquis ou de compétences attendues dès la fin d'un cours ou d'un programme d'études. Donc là encore, il insiste sur cette articulation entre évaluation formative et évaluation sommative.